La question que vous avez tirée est celle-ci. Quel est l'impact de l'écosystème numérique sur l'épanouissement de la jeunesse? Madame la représentante de la Première Dame de Côte d'Ivoire, marraine de cette énième édition, mesdames et messieurs les officiels et membres du jury, distingués invités, chers spectateurs et téléspectateurs, bonsoir. ...70% de la population mondiale utilise le numérique, mais pas toujours de la meilleure façon. Aujourd'hui, le numérique offre un océan d'opportunités, permettant ainsi à tous les jeunes de devenir indépendants dans l'entrepreneuriat digital à travers des métiers comme le e-commerce, le community management, le web humoriste, le web designer et bien d'autres. C'est dans cette optique que M. Amadou Diawara, ambassadeur engagé de la promotion du numérique en Afrique, affirme ceci. Bâtir un avenir numérique est crucial si le continent africain veut devenir compétitif au niveau mondial. Alors ce soir, chère jeunesse, je m'adresse à vous en vous demandant d'embrasser la quatrième révolution industrielle afin de devenir des acteurs majeurs du développement économique de notre pays grâce au numérique. Je vous remercie. La candidate numéro 2, mademoiselle. La Miss Côte d'Ivoire. S'il vous plaît. S'il vous plaît, Miss Côte d'Ivoire 2022, Madame la Présidente. Candidate numéro 2. La candidate numéro 2, Mademoiselle Kwasi Marlène Kani. Miss Côte d'Ivoire 2022. Première dauphine, candidate numéro 6, Mademoiselle Jaco. Que d'émotion, que d'émotion. Un grand bonsoir à Monsieur le maire de Cocody, Monsieur Yassé. Miss Côte d'Ivoire 2021. Arrive, elle nous rejoint, Miss Olivier Yassé. Pour le couronnement de la candidate numéro 2, Mademoiselle Kwasi Marlène Kani, Miss Côte d'Ivoire 2022. Miss Côte d'Ivoire 2022, candidate numéro 2.